Je suis sur les bords de l'étang Saint-Paul et j'ai repéré un endroit volatile. D'abord, il y a ce gros volatile dans le ciel, là, un ULM, qui fait un grand tour. Et normalement, là, dans ce petit coin, il y a des hirondelles qui tournent. Alors, on va voir si ça va marcher. Pour l'instant, ah, les voilà. Elles se promènent dans le coin, donc je ne vais pas les suivre forcément comme la dernière fois, mais dans leur passage, elle est dans mon dos, je pourrais la suivre, mais je vais essayer simplement, ouais. Je vais simplement les suivre sur un cercle avant, et puis peut-être, pourquoi pas, si à un moment ça me prend, je les suivrai sur toute leur, sur tout leur vol. Déjà, il faut que j'ai une assise un peu plus stable. Là, à terre, il y a des rochers. Qui fait que je suis pas très stable. Voilà. Elle est là, la bougresse. Alors bon. Je vais pas chercher à ce qu'elle soit bien nette non plus. Je quitte ma casquette. Allez, je vais quand même la suivre un peu. Voilà, c'est son air là, il y en a une autre ailleurs, donc ça peut faire un beau balai. Il y en a d'autres, c'est l'endroit quoi, il faut le trouver. Donc elles tournent autour de ce bosquet et elles vont un peu, voilà, on retrouve notre ULM là. Et on va retrouver notre petite hirondelle qui se promène là-bas, en bord d'océan. Donc c'est là qu'il y a, elle chasse, hein. Et les insectes. Donc beaucoup dans la végétation, d'après ce que je comprends. On l'a aussi au bord de l'étang. Là, il y en a une ici. Là, je la vois. Ah ouais, là, il y en a une autre. Là, je sais pas si c'est la même parce que je distingue pas forcément tout son vol. Voilà. Là, il y en a une autre ici. Je vais la suivre. Là c'est le beau bosquet. Voilà, elle revient. Voilà. Là, une autre. Bon, je sais pas si c'est hyper intéressant, mais pour moi ça me plaît en tout cas. Voilà, on tourne moins vite parce que l'air est plus grand. Le cercle de vol. Et en plus, il y en a plusieurs, donc c'est assez marrant. Là, et en plus, elles vont. Il y a plus de luminosité cette fois-ci, vu qu'il y a le soleil là, qui est derrière. Il y a deux. Alors, super, un balai d'hirondelle. Hein. On... Ta gueule du genou. Il n'a pas pollué ma sonorité du chien. Goulou, 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 tiens, une autre aussi, voilà, là il y en a une autre, ouais. Donc il y en a plusieurs, donc je passe de l'une à l'autre, voilà, bon je tourne, ouais, hop, je suis, ouais, je voulais quitter pour retrouver une autre, elle est venue, donc c'est un bon scénario là, voilà, hop, il y en a plein, une là, et une autre ici, c'est encore mieux. Voilà. Parce que la dernière fois que je voulais filmer, en fait, elle se mettait en. Elle se mettait au ras de l'eau. Allez, tiens, deux là. Hop. Parce que, voilà, c'est remplacé le soir par les chauves-souris. Un jour, je ferai un balai de chauves-souris. Prends la relève. Trois alors. Il y en a quatre avec celle-là qui est passée là. Tiens, je vais la récupérer. Hop. Mmh. Moi ça me plaît. Hein. J'adore tout ce qui vole et là.
là. Surtout quand elle plane là, pendant un virage, voilà, on analyse son vol. Elle bat des oreilles, elle tourne avec, voilà. J'aime bien aussi quand elle zigzague au milieu des bosquets. Là, je la vois plus. Elle revient par ici. On a une autre par là. Bam 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 bam. Allez, tu apprends la relève, toi. Youps. Bon, on va prendre un peu les temps. Regarde, c'est une autre qui revient. Une autre par ici. On va pas forcément les suivre. On les récupère au fur et à mesure. Il y en a deux là. Bon, j'ai mal au bras. Allez. Voilà, alors on est en deuil parce que l'étang Saint-Paul est malade, donc ils ont arrêté toutes les activités style ski nautique. Avec les hirondelles qui n'ont pas arrêté leur activité. Quoique pendant un ou deux jours, elles étaient en deuil. On ne les voyait pas aussi agitées que ça. Surtout hier, avant-hier. Bon, I guess it's enough. I guess it's enough. Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle? Elle nous a volé trois petits sacs de blé. Hein? Ce qui est pas mal avec le soleil caché là. Et surtout l'étang. Là on peut bien se rendre compte ce qu'est la géographie là. Géographie de l'étang. Là donc c'est le confluent. Alors je me tourne là-bas, voilà. L'étang se termine ici. Et normalement il se jette dans l'océan. Et là, bon, c'est fermé, le cordon du nerf est fermé. Hirondelle, je vous aime. Hirondelle, je vous aime. Je n'en connais pas de plus belle. Da-di-da-da-di-da-da. Alors là, je regarde si elles suivent parfois le même chemin. En tout cas, elles se reflètent dans l'eau quand elles passent. C'est pas ça chouette. Choux, c'est choux. Bon, ça va se terminer, les amis. Dans exactement 50 secondes. Allez, on stoppe un peu le mouvement. On va voir ce qui se passe si elles rentrent dans l'objectif, les petites. On va les regarder comme si on était fixe. Point fixe. Ça passe, ça repasse. Voilà. Elle fait son show. Il nous reste plus qu'une dizaine de secondes. Et nous allons se passionner. Bon ben les amis, au revoir et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.